L'année 2018 commence sur les mêmes bases que 2017, avec une situation de marché très contrastée selon les familles de produits. Le prix du beurre est en effet à des niveaux très élevés, tandis que celui de la poudre de lait écrémé se situe à des niveaux historiquement très bas, 300 euros en dessous du prix d'intervention. Les prix à la consommation pour les ménages évoluent également de façon disparate selon les familles de produits. En l'espace d'un an, le prix du beurre a augmenté de 14%. En revanche, les évolutions sont beaucoup plus modérées pour les autres familles de produits laitiers, avec des hausses de l'ordre de 2%, aussi bien pour le lait liquide, les fromages que les yaourts. Selon l'enquête mensuelle de France Agrimaire, le prix standard du lait de vache, toute prime et toute qualité confondue, et donc qui englobe non seulement le lait conventionnel, mais aussi le lait bio et le lait destiné à la fabrication d'AOP, était de 345 euros les 1000 litres au mois de novembre 2017. Ce prix occupe donc une position intermédiaire entre le point bas du printemps 2016 et les niveaux records atteints pendant l'année 2014. La collecte laitière évolue différemment actuellement dans les deux principaux bassins exportateurs mondiaux. Elle augmente sensiblement dans l'Union européenne depuis quelques mois et cette tendance devrait se poursuivre sur le début de l'année 2018 en raison de stocks fourragers abondants. En revanche, la production laitière en Nouvelle-Zélande a fait face à une succession récemment d'aléas climatiques. Après un mois de septembre très humide, elle a traversé une période sévère de sécheresse sur le mois de décembre et sur le début de l'année 2018. En France, la collecte augmente de nouveau depuis la fin du mois d'août. Elle redémarre l'année 2018 à un niveau sensiblement supérieur à celui de l'année 2017, avec une progression de l'ordre de 2,5% sur les deux premières semaines. La collecte actuelle reste néanmoins en dessous du niveau du début de l'année 2016. En guise de conclusion, l'année 2018 s'annonce pour l'instant assez similaire à 2017. Les importants stocks de poudre de lait écrémé ne permettent pas d'envisager un scénario euphorique, mais à contrario, le manque de beurre donne quelques assurances en mettant un garde-fou vis-à-vis d'une éventuelle dégradation de la conjoncture.